tengan en cuenta que esta conferencia es la que yo sé dentro del esfuerzo, así que todo retraso impactará sobre la disponibilidad. Digo, por estímulo a la sexualidad, estímulo al interés de escuchar a la profesora Drizzani, y lo damos por descontado. Bueno, nuevamente me encuentro honrado, muy honrado de esta persona que me toca presentar. En este caso se trata de Liz Drizzani, cuya quizás como más lo conozcan todos, creo que todos lo conocen, pero lo que es imposible que nadie ignore es la obra a la que ha contribuido, que es la edición de la obra crítica, la que Santos Gave de Fichte, junto a Laos, una herramienta de trabajo que yo que no soy propiamente especialista en Fichte, sé cómo se envidia tener una herramienta de trabajo como esa en otros autores, que no tenemos la suerte de contarlo, así que bueno, a él se lo debemos, y ahora está haciendo el mismo trabajo extraordinario con la obra de Schelling, que se encuentra bien avanzado, y también los schellingianos cuentan con la suerte. Bueno, ha escrito diversos trabajos también importantes. Mencionamos de 1993 hacia la fundación de la intersubjetividad en Fichte. También ha traducido al francés la nueva método. Mariano Gaudio me ha comentado que es, a su entender, la mejor de las traducciones a la nueva método. Va por su cuenta, pero yo creo que sí. También ha hecho la introducción de la filosofía de la masonería, y también ha trabajado un trabajo muy interesante sobre la recepción de Fichte en Francia. Ha editado un volumen muy interesante sobre la recepción de Fichte en Francia, y entre las cosas interesantes que tiene ese libro es indicar que la recepción en Francia no es tan fuerte pese a las obras tan importantes que hay, y indica también y señala lo interesante que es la recepción de Fichte en la América Latina. Así que nos llena de orgullo leer eso cuando lo encontramos. Y bueno, me comentó el otro día en forma informal que tiene una investigación mucho más amplia sobre la recepción de Fichte en Francia, que está buscando casa editora con cuestiones pequeñas pero muy significativas. Quería comentarle solamente una anécdota que me contó el otro día, que es que, por ejemplo, en la resistencia en Francia durante la Segunda Guerra Mundial se lanzaron volantes de propaganda, ¿no?, en contra de la ocupación, donde aparecían citas del discurso a la nación alemana de Fichte en forma obviamente elogiosa. Así que entre estas cuestiones tan interesantes, hoy vamos a escuchar su conferencia. La palabra. Gracias. Malheureusement, je parle pas l'espagnol et je vais vous parler en français. D'abord, merci infiniment à William Ferreira pour ces modes d'introduction. J'aurai un texte relativement court, je ne suis même pas sûr qu'il soit aussi long que le mode d'introduction auquel je vais droit. Comme c'est en français, je vais essayer de parler très lentement et je pense qu'on a aussi l'occasion de faire une belle discussion. Mais je vais commencer par céder à la forme habituelle qui consiste à remercier très chaleureusement les organisateurs pour leur invitation. J'ai déjà une fois l'occasion de venir à Buenos Aires, mais c'est la première fois de façon un peu scientifique, et je suis extrêmement heureux de cette possibilité. Alors, je commence mon texte. Les raisons systématiques de l'inachèvement du système fichtéen. En choisissant d'utiliser pour désigner sa philosophie le terme de doctrine de la science, Wissenschaftslehre, Fichte inscrit délibérément
son projet philosophique sous l'idée de science. La première occurrence connue à ce jour du terme de doctrine de la science dans le corpus fichtéen figure dans un texte datant de février 1794 et publié il y a tout juste 20 ans sous le titre de Zürcher Vorlesungen über den Begriff der Wissenschaftslehre, offrant une première version de ce que Fichte fera paraître quelques mois plus tard de l'opuscule programmatique sur le concept de la doctrine de la science. Fichte écrit dans cette première version zurichoise de la Begriffsschrift que, je cite, « la philosophie serait la science en soi, la science de la science en général, ou la doctrine de la science », et ajoute « le terme de philosophie ne peut guère être conservé, il deviendra inutilisable ». Fin de la citation. La version imprimée du texte précise les raisons de la caducité escomptée du terme de philosophie. Citation. Cette science, pour peu qu'elle devint jamais science, abandonnerait non sans raison un nom qu'elle a porté jusqu'ici par une modestie qui n'était pas excessive, le nom d'une prédilection, d'une marotte, d'un dilettantisme. Im Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines Dilettantismus. Fin de la citation. L'utilisation du terme de doctrine de la science est donc soumise à une condition. Ce n'est qu'une fois que la philosophie aura véritablement été élevée au rang de science qu'elle méritera pleinement de renoncer à l'appellation sous laquelle elle est traditionnellement connue et pourra légitimement être qualifiée de doctrine de la science. Surenchérissant sur le fameux passage de la préface de la seconde édition de la Critique de la raison pure, dans lequel Kant déplorait que la métaphysique n'ait pas encore été jusqu'ici assez favorisée du destin pour pouvoir prendre le chemin sûr d'une science, Fichte se propose de remédier au dilettantisme qu'il impute à ses prédécesseurs et de mener à bien la tâche identifiée, mais laissée ouverte par Kant, élever la philosophie au rang d'une science rigoureuse. Fichte en est en effet convaincu. Ni Kant, ni son successeur Reinhold ne seraient parvenus à s'acquitter de cette tâche et, à l'instar de Kant, qui avait eu besoin d'un Hume pour être tiré de son sommet dogmatique, il aurait eu lui-même besoin d'une médiation sceptique, comme il le confesse dans la préface de la Begriffsschrift, pour prendre la mesure de l'insuffisance de la solution proposée par ses prédécesseurs. Au reste, écrit-il dans l'essai d'une nouvelle présentation de la doctrine de la science, si Kant avait été en mesure d'apporter à la philosophie critique cet achèvement systématique nécessaire, selon lui, pour élever la philosophie critique, pour élever la philosophie au rang d'une science rigoureuse, je cite, « l'auteur de la doctrine de la science se serait épargné le travail et aurait choisi de s'attacher à une autre branche du savoir humain. » En retenant la désignation de doctrine de la science pour désigner les diverses présentations de son système, Fichte veut donner à penser qu'il aurait conféré à la philosophie cette systématicité jusqu'alors vainement recherchée et qu'il peut désormais
se passer du terme désormais caduc de philosophie. Mais la multiplicité des enveloppes dans lesquelles il a présenté sa doctrine n'est-elle pas en contradiction avec le caractère de scientificité qui, selon la conception ordinaire, exige l'unité? Et chaque nouvelle présentation de la doctrine de la science n'est-elle pas en quelque sorte un aveu de défaite, l'indice d'une incapacité à arrêter sous une forme fixe le système un et éternel, prétendument découvert? Le but de cette contribution est d'engager une réflexion sur la conception fichtienne du système, et nous nous arrêterons en particulier au rapport entre philosophie et langage, ce qui fera l'objet de notre première partie, et au rapport entre philosophie et vie, à quoi nous consacrerons la seconde et dernière partie. L'unité de l'objet de la doctrine de la science. En guise d'introduction à son système, Fichte s'est servi à plusieurs reprises du bourgeois gentilhomme de Molière. De même que Maître Jourdain prend soudain conscience qu'il a toujours parlé en prose, de même, celui qui s'élève au point de vue philosophique ou transcendantal prend conscience des opérations nécessaires de son esprit et de son corps, dont il s'acquitte au point de vue de la conscience naturelle, sans en être conscient. L'ensemble des opérations requises pour que l'homme puisse prendre conscience de lui-même constitue un système. Le philosophe transcendantal n'a pas à inventer ce système, il a seulement à le découvrir. Et Fichte n'hésite pas, pour illustrer son propos, à établir un parallèle avec les lois de la physique. De même que le physicien n'a pas à inventer les lois de la physique, lesquelles agissent indépendamment de la connaissance que nous en avons, et Fichte mentionne en particulier les lois de l'électricité, de même, le philosophe n'aurait pas à inventer les lois de la conscience qui, pense-t-il, opère indépendamment de la conscience que nous en avons. La doctrine de la science comme système vise la présentation du système de l'esprit qui est son objet. Plus précisément, la nature systématique de la doctrine de la science tient à la nature systématique de son objet, l'esprit humain, dont elle prétend uniquement être l'historiographe, selon la formule bien connue de la Begriffsschrift. Le système transcendantal peut être achevé, car le nombre des conditions qui ont dû être remplies pour permettre la conscience est fini. Achever la philosophie revient dès lors à établir le répertoire exhaustif des actions originaires qui doivent être opérées pour permettre la conscience, autrement dit, à énumérer l'ensemble des conditions transcendantales de la conscience. Multiplicité des présentations de la doctrine de la science. Fichte n'a pas présenté sous une forme unique cet objet 1 qui fait l'objet de la doctrine de la science. Une série impressionnante de présentations s'égrène au fil de son parcours. Il est difficile d'en fixer le nombre exact. Dans un article récent, Günther Zöller a pensé pouvoir en dénombrer 17, cherchant à établir, de façon peut-être un peu forcée, un parallélisme avec les 17 quatuors à cordes de Beethoven. Peu importe au fond le nombre précis, il est suffisamment important pour que l'on puisse écarter l'hypothèse d'un tâtonnement fortuit. Fichte a délibérément
choisit de multiplier les entrées dans son système, s'évertuant à modifier, autant que faire se peut, terminologie, structure, méthode. Selon une formule heureuse de Reinhard Laut, souvent utilisée dans ses cours, Fichte a fait œuvre de polyglotte. Il s'est appliqué, sa vie durant, à mettre en pratique le programme esquissé dans une lettre à Reinhold, je cite, « Ma théorie doit être présentée de façon infiniment variée, chacun la pensera et devra la penser autrement, pour la penser par lui-même. » Hostile à toute spécification de la lettre de son système, qui permettrait aux aveugles de l'esprit d'avoir trop facilement l'impression de pouvoir s'en rendre maître, en se dispensant de l'effort de penser par eux-mêmes, Fichte s'est plu à mettre en œuvre une technique de fluidification de la pensée qui contraigne chacun à se livrer à une véritable expérimentation mentale sans repère trop commode auquel se raccrocher. Citation. J'ai cherché autant que possible, écrit-il dans l'avertissement à la première édition des Principes de la doctrine de la science, à éviter une terminologie fixe qui permettrait aisément aux myopes de l'esprit, c'est comme ça que je traduis Buchstäbler, de vider tout système de sa substance et de le transformer en squelette desséché. Son œuvre, telle qu'elle se présente à nous, s'offre comme un véritable laboratoire vivant de pensée. Fichte, comme il le déclare expressément, s'est fait une maxime, de ce programme de fluidification et indique qu'il y restera fidèle dans de futures présentations de son système. Il réaffirme par exemple, dans la doctrine de la science nova methodo, son intention d'éviter toute terminologie fixe, ajoutant, en lançant une pointe contre Kant, que c'est en adoptant le parti contraire que celui-ci se serait fait tant d'adeptes. Avant de s'indigner contre la naïveté d'un tel procédé, si contraire à notre conception de la scientificité, tout entière inscrite sous la bannière de la philologie, force est d'admirer l'étonnante vitalité d'esprit et le puissant génie dialectique à l'œuvre qui conduit Fichte à remettre quelque 17 fois le travail sur le métier pour éviter de se laisser emprisonner dans quelque lettre que ce soit. Moyen didactique, cette variation à l'infini est-elle une fin en soi ou doit-elle être considérée comme une simple propédeutique à une présentation définitive qui fixerait pour toujours la lettre de cette philosophie tout esprit? Certaines déclarations de Fichte donnent à penser qu'il avait bel et bien en vue une telle présentation finale, suggérant que les versions de la doctrine de la science ne seraient que des approximations imparfaites et provisoires, destinées à être supplantées par un exposé définitif, une fois les conditions réunies. C'est ainsi qu'il écrit dans l'avertissement à la première édition des Principes de la doctrine de la science qu'il restera, je cite, fidèle à cette maxime, consistant précisément à éviter toute terminologie fixe, dans de futures élaborations du système jusqu'à la présentation finale achevée, endliche vollendete Darstellung, de celui-ci. On est en droit de s'interroger sur le statut d'une telle déclaration.
Fichte n'avait-il pas quelques mois plus tôt écrit dans les conférences sur la destination du savant que la perfection, Vollkommenheit, serait le but suprême mais inaccessible de l'homme, lui assignant uniquement comme sa destination propre de s'approcher indéfiniment de ce but dans un processus de perfectionnement à l'infini, für Vollkommnung bis unendlich. Or, on ne voit pas comment Fichte, sauf à s'affranchir de sa condition humaine, aurait jamais pu se trouver en position de présenter la version finale achevée de son système et ce qui aurait pu le motiver à tuer l'esprit de sa philosophie, auquel il tient tant, en l'enfermant dans une lettre, toute parfaite fut-elle. Quoi qu'il en soit, le fait est que Fichte n'a jamais écrit une telle présentation finale achevée. Je reviens à mon premier point important, philosophie et langage. La doctrine de la science comme actologie est l'inadéquation radicale du langage. Allons plus loin et demandons-nous s'il y a des raisons systématiques qui rendent la doctrine de la science particulièrement perméable aux dangers de pétrification. Un premier élément de réponse consiste dans la nature du langage, à l'égard duquel Fichte nourrit une méfiance radicale et qui s'avère particulièrement peu appropriée au caractère spécifique de la doctrine de la science. Il n'est bien sûr pas possible de faire complètement l'économie du langage. Véhicule par excellence de la sollicitation nécessaire à l'éveil de la conscience, instrument privilégié de communication, mais le philosophe ne doit avoir de cesse de se méfier de son pouvoir mortifère et d'en dénoncer la portée dogmatisante. Sans langage, il n'y aurait, cela va de soi, pas de philosophie, mais le langage trahit perpétuellement la philosophie, fossilise le fluide, transforme en quasi-chose l'acte et fait constamment ressurgir le spectre du dogmatisme. Le langage est à la fois un outil incontournable et foncièrement inadéquat. Sans langage, il n'y aurait pas de philosophie. La pensée s'articule en concepts, et le langage se prête en particulier à assurer une fonction logique que Fichte s'est toujours appliqué à respecter. C'est ainsi que dans les principes, Fichte met le plus grand soin à établir la structure formelle, même celui qui ne serait pas en mesure de procéder lui-même, de procéder sur lui-même à l'expérimentation demandée, la Tatanung, ce dont Fichte prend la peine de spécifier que ce ne saurait être le cas d'aucun être raisonnable fini, même celui-là, devrait cependant en concéder la justesse formelle. La fonction logique ne constitue toutefois que l'un des aspects du langage. La spécificité de la doctrine de la science est de ne pas avoir primairement affaire à des faits, à des Tatsachen, à des concepts, à des choses quelles qu'elles soient. En tant qu'analyse immanente des conditions de la conscience, elle ne s'occupe que d'actes, Tathandungen. Pour utiliser une expression chère à Augustin Dumont, elle est en son essence actologie. Et le langage est l'outil pour communiquer une série de consignes devant permettre à l'interlocuteur ou au lecteur de produire librement l'acte sollicité. Concernant cette dimension actologique,
Fichte exprime de très fortes réserves à l'encontre du langage qui, par une pente naturelle, aurait tendance à transformer l'acte en chose, à faire prévaloir l'être sur la genèse, à briser la dynamique de la pensée. La construction rigoureusement géométrique adoptée pour la présentation des principes dans la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre paraît répondre à certains égards aux critères de scientificité revendiqués par Fichte pour son système. En réalité, ce n'est pas fausse modestie si Fichte a très rapidement marqué son insatisfaction à l'égard de la forme adoptée dans cette première version de son système. Et s'il se fixe pour but de produire une philosophie scientifique qui puisse se mesurer aux mathématiques, cela n'implique nullement que la scientificité recherchée doive se calquer sur le modèle des mathématiques. Sans doute, la preuve en géométrie, fondée sur une construction supportée par l'intuition, fera toujours, pour Fichte, y compris dans sa période dite tardive, figure de modèle. Mais si les mathématiques, et plus particulièrement la géométrie, offrent un exemple réussi de formalisation appuyée sur une intuition, qui leur procure la rigueur et la certitude, et dont la philosophie, à l'instar des autres sciences, a intérêt à s'inspirer, si tant est qu'elle veuille s'engager sur la voie sûre de la science, elle ne détient nullement le monopole du modèle de formalisation correspondant aux critères formels de la science, pas plus qu'elle ne détient le monopole de la certitude correspondant à son critère matériel, et, en tant que science dérivée, doivent être strictement subordonnés à la doctrine de la science qui, comme science première, doit fonder aussi bien leur forme que la certitude de leur principe premier. Fichte reproche en particulier au principe le caractère artificiel de la démarche adoptée ou structure formelle et mise en œuvre du pouvoir de vision se trouve dissocié, et il s'emploiera dans les exposés ultérieurs à remédier à ce défaut, dû selon lui à une trop grande complaisance à l'égard de la tradition. C'est ainsi qu'il renonce dans la doctrine de la science Nova Methodo à la division entre théorie et pratique et présente, comme il le dit lui-même, selon une démarche bien plus naturelle, la philosophie même, théorie et pratique liées. L'important remaniement méthodique opéré dans la doctrine de la science Nova Methodo semble bien aller dans la direction de cette actologie qui constitue l'essence de la doctrine de la science. Et c'est en ce sens que Fichte peut parler d'une démarche plus naturelle. Toutefois, l'amélioration apportée ne permet pas d'éliminer le danger de réification inhérent selon lui au langage, et c'est pourquoi il persévère dans son refus à mettre en place une terminologie fixe. Pour écrire la présentation finale achevée, dont il a été question, il faudrait trouver le moyen d'inventer un nouveau langage qui ne donne aucune prise à la tendance réifiante du langage ordinaire, un langage purement performatif où l'esprit ne vienne pas buter contre la lettre. La ruse du langage est la dimension ironique. L'une des techniques développées par Fichte pour pallier aux défauts intrinsèques du langage consiste en une stratégie de communication qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de qualifier de ruse du langage
par analogie bien sûr avec la ruse de la raison. Cette technique, présente à travers tout le corpus fichtéen, est déjà clairement identifiée par Xavier Léon en son temps, mérite bien ce qualificatif de ruse du langage, car elle vise à miner en quelque sorte de l'intérieur le discours de celui à qui il s'adresse. Par le truchement de cet artifice langagier, Fichte entre en quelque sorte dans le jeu de ses adversaires ou de ses interlocuteurs, emprunte par exemple leur terminologie, non pas qu'il veuille signifier par là une quelconque concession ou un infléchissement de sa pensée, mais parce qu'il estime qu'il s'agit du moyen privilégié pour se faire entendre d'eux et pour les amener dialectiquement à la doctrine de la science. Face aux romantiques, il parlera en romantique. Dans le contexte de l'occupation napoléonienne, il mimera un langage nationaliste. En loge, il adoptera la phraséologie maçonnique. Face à Jacobi, il deviendra un philosophe de la vie. Face à Schelling et à Hegel, il singera un discours ontologique. Cette utilisation curieuse du langage avait déjà frappé les contemporains. C'est ainsi, il y a plusieurs témoignages, j'en cite uniquement un, c'est ainsi que Jean-Paul disait de la destination de l'homme qu'elle était écrite dans un chiffre destructeur, vernichtende Chiffre, parce que, pour les lecteurs exotériques, elle signifie toujours le contraire. Le langage fichtéen est creusé d'une dimension ironique, invitant à briser l'univocité de la lettre et nécessitant une lecture dynamique. La lettre ne se donne pas simplement, elle convie à un acte interprétatif censé ouvrir l'œil de l'esprit. Mais ce procédé langagier, qui exige de la part de l'interprète un sens aiguisé de la dialectique, a été la source d'innombrables malentendus. Doit-on s'imaginer que, dans la présentation finale achevée, Fichte aurait supprimé cette dimension ironique qui fait l'originalité de sa contribution ? Point de vue de la stratégie de communication, et dont le but est notamment de contribuer à remédier à la tendance réifiante du langage ordinaire, mais toujours liée à une situation ad hoc et donc apparemment peu compatible avec la prétention éternitaire d'une présentation finale. J'en viens à mon second point, philosophie et vie, l'ouverture sur la vie. Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la conception fichtéenne du langage, mais la difficulté à trouver un langage adapté au caractère de la doctrine de la science, comme actologie, n'est pas, me semble-t-il, l'unique raison de l'inachèvement du système fichtéen. Une raison plus profonde tient à la forme même de la doctrine de la science. Système clos, en tant que description de la structure de la conscience, elle est en même temps un système ouvert. Reinhard Lauch a très bien montré comment la philosophie transcendantale, faisant front sur la liberté, qui est par essence non déductible, reconnaît a priori et par principe que la réalité dans sa totalité comprend une partie non déductible qui n'est saisissable qu'a posteriori. Si la philosophie
en tant que doctrine de la science, peut être achevée, c'est que, par principe, elle ne prétend pas épuiser le concret dans sa concrétude et se meut uniquement sur le plan des principes. Autrement dit, elle procède à une déduction strictement a priori. Se mouvant sur le plan de l'a priori, elle ne peut pas déduire l'a posteriori. En revanche, ce qu'elle peut déduire, c'est qu'il doit y avoir de l'a posteriori. Pour l'exprimer dans les termes de Laut, la déduction transcendantale des conditions de la conscience met en lumière la nécessité qu'il y ait du concret, mais ne peut pas déduire le concrètement concret, le concret dans sa concrétude. Or, avant d'être philosophe, le philosophe est d'abord un être immergé dans la vie, historiquement engagé dans une situation unique, répondant aux sollicitations spécifiques qui lui ont été adressées et qui seuls lui ont permis de s'élever à la conscience. La vie n'est pas un appendice facultatif qui vient s'ajouter au système, c'est au contraire le système qui vient toujours se développer sur fond de vie. Le philosophe ne peut pas se trouver sans se trouver engagé dans un tissu social d'une extrême complexité, fait d'un jeu de libre entre-sollicitation, non déductible, qui offre une matière infinie à la tâche de rationalisation qu'il s'impose librement. La doctrine de la science n'est pas et ne prétend pas être une philosophia pérennis, contrairement à ce que certains de ses interprètes les plus distingués ont pu affirmer. Elle n'est pas une philosophia pérennis et, d'une façon plus générale, une philosophie de l'absolu. Et si l'absolu est appelé à jouer un rôle important en elle, c'est au titre exclusivement de principe d'explication de la conscience, du point de vue de la finitude qui est le sien, parce qu'elle est philosophie transcendantale, soucieuse de ne pas transcender les limites de la conscience et de produire la genèse de leur conscience admise par le point de vue de la conscience commune. La formidable dialectique à l'œuvre dans les principes, pour prendre uniquement un exemple, a précisément pour résultat, le plus remarquable, de montrer que le sens de l'absoluité du premier Grundsatz ne devient clair que dans la partie pratique, une fois ce dernier ramené au statut d'une idée de la raison. Mettre l'accent sur la partie principielle du système et sur sa clôture, ce qui relève, à mon avis, d'une fascination pour une conception pérenne de la philosophie, à laquelle Fichte, on l'a vu, n'a lui-même pas toujours été insensible, est une tendance fortement représentée dans la tradition exégétique, mais revient à oublier cet ancrage dans la vie si emphatiquement souligné par Fichte lui-même, et que le système, malgré tout l'achèvement auquel il peut par ailleurs prétendre, est à l'infini incapable de résorber entièrement, et qui, par conséquent, échappe à l'infini à sa volonté de contrôle et d'arraisonnement. Pour utiliser un terme un peu radical. Exprimé négativement, l'ouverture est le défaut de la cuirasse, le point faible du système. Exprimé positivement, l'incontrôlabilité est la raison pour laquelle il y aura toujours besoin de la philosophie. Conclusion. Nous sommes partis de la constatation d'une étonnante discrépance entre l'unité de la science recherchée et la multiplicité des présentations que
que Fichte a livré de cette science une, ce qui nous a amené, dans un premier temps, à nous intéresser au problème du langage. Malgré la déclaration explicite de Fichte évoquant la possibilité d'une présentation finale définitive de la doctrine de la science, il ne nous a pas été possible d'identifier un langage particulier qui convienne de façon privilégiée à l'exposé de l'édifice scientifique. Au contraire, il est apparu que le langage, en tant que par son inscription dans le monde phénoménal, il comporte nécessairement une part de l'être, et cela est bien sûr a fortiori valable du langage écrit, se trouve radicalement inapproprié pour rendre compte de la doctrine de la science qui, en tant qu'actologie, est tout esprit. L'unique moyen dont dispose le philosophe pour pallier à ce défaut inhérent à l'essence même du langage est de développer des stratégies de communication aptes à démasquer la tendance ontologisante du langage. L'un des dispositifs mis en place par Fichte pour faire apparaître le décalage entre l'esprit et la lettre est le procédé de distanciation ironique instauré par le recours à la technique de la ruse du langage. L'important n'étant pas la lettre, mais l'esprit, peu importe au fond la lettre utilisée, elle devra toujours signifier sa propre défaillance, renvoyer un négatif à l'esprit qu'elle ne peut que trahir. Même si Fichte a pu suggérer la possibilité d'élaborer une version définitive de son système, la doctrine de la science nous paraît nécessairement devoir rester inachevée. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés au rapport entre philosophie et vie, et nous sommes parvenus à la conclusion que même si l'on admettait que la doctrine de la science puisse parvenir à un achèvement sur le côté des principes, elle comprend par principe une ouverture sur la vie qui brise cet achèvement. La philosophie est constamment et inéluctablement renvoyée à la vie. La clôture est nécessairement un but qu'elle se fixe en point de venir. Mais la clôture est un but que nécessairement elle n'atteindra jamais, sauf à s'affranchir des lois de la finitude. La philosophie fichtéenne est radicalement une philosophie de la finitude, de l'existence, une philosophie qui s'enracine dans la vie, une philosophie du risque et de l'engagement, devant laquelle s'ouvre une tâche infinie. Ce n'est pas un hasard si Fichte n'a jamais produit l'exposé définitif à un temps envisagé. On peut se livrer à un petit jeu de devinettes. Et s'il avait vécu plus longtemps, y serait-il jamais parvenu? Ma thèse est que sa philosophie est foncièrement réfractaire à toute clôture définitive, et cela pour des raisons d'ordre systématique. Le philosophe est donc le labyrinthe de la vie, et ce labyrinthe, belle la palissade, est une impasse sans issue dont il ne sortira jamais. Mais la tâche infinie qui s'ouvre devant lui, loin d'être une faiblesse, est tout au contraire sa force. C'est le prix à payer pour rester une philosophie de la finitude, dénonçant toutes les impostures de la raison, visant un arraisonnement définitif du réel et une mise sous tutelle de la vie. C'est pour une raison systématique que la philosophie fichtéenne est et demeure un système inachevé. Je vous remercie. Abrimos ahora el piso a preguntas. Pueden hablar en su idioma, el español
juzgar al profesor si comprende, si hay alguna incomprensión, yo lo ayudo traduciendo algún pedazo que sea más difícil. También puede aceptar italiano, alemán, inglés de ser necesario. Veamos, cada cual hable lo que le parezca. Profesor Sola. J'aurais deux demandes. La première. Je connais cette langue. Oui, français. La première concerne cet aspect, je dirais, existentialiste de ton discours, qui met tellement l'accent sur l'aspect inachevé. Et je te propose de supplémenter cette perspective par déclarer que ce que tu appelles inachevé est l'achèvement du système fichtien, que le système est achevé dans son inacheveté, pour ne pas le mettre trop proche d'une philosophie existentialiste qui met l'accent sur l'échec plutôt que sur l'accomplissement. C'est un accomplissement parce que, une fois désigné dans ses limites précises, théorie des principes et pas du concret, c'est achevé, c'est pas inachevé. Ça sera le premier point. Le deuxième point concerne le langage. Tu présentes ce qui me paraît comme un scepticisme vis-à-vis du langage. Et je dirais que Fichte est aussi un créateur de langage, d'énorme originalité et invention. Et que plutôt on pourrait dire que la pragmatique du langage l'a fait subir le danger de réification. Pas le langage lui-même, mais ce qui s'opère avec le langage dans un discours, dans un contexte communicatif, où il y a ce danger d'ossification. Discours avec les autres, même discours avec lui-même. Mais que le langage en elle-même, c'est plutôt un réservoir pour donner corps à l'esprit pur de la philosophie. Il n'y a pas seulement ce côté pneumatologie, pneuma des Grecs, mais aussi un côté très somatique, somatologique de sa philosophie, pas seulement esprit, mais aussi corps. Pas aussi esprit, mais aussi l'être nécessaire et qualifié quand même comme quelque chose à surveiller pour ne pas avoir ce danger de dosification. J'ai réussi à prendre un stylo qui n'écrit pas. Malheureusement, pas de prendre de notes. Donc, si je voulais répondre de façon très brève, je dirais oui. Et oui. Je suis tout à fait d'accord avec la première proposition. C'était, ça allait dans le sens tout à fait de ce que je voulais faire. Ça allait dans le sens. C'est vrai que j'ai une petite tendance à vouloir, en réaction à certaines interprétations souvent développées sur Fichte, à vouloir très délibérément insister sur l'aspect existentialiste. C'est vrai qu'il m'arrive de lire Fichte comme prédécesseur génial de l'existentialisme. Mais je suis entièrement d'accord avec cette idée de que l'inachèvement fait partie, et l'achèvement même de la doctrine de la somme. Et c'est la raison pour laquelle Fichte n'est pas resté à l'appellation de philosophie, mais croit pouvoir utiliser le terme de doctrine de la science. Donc de son point de vue, il est parvenu à un achèvement, mais cet achèvement a ceci de particulier, que c'est l'achèvement d'un système qui n'est pas clos. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant comme conception du système. Concernant le second point, je suis entièrement d'accord. Simplement, c'est peut-être... J'ai beaucoup insisté sur la dimension ironique du langage. Je pense que Fichte multiplie les techniques pour inciter à ce qu'on dissocie l'être et contenu dans son discours même.
mais c'est un inventeur de langage, de paroles extraordinaires, c'est un orateur de premier plan, c'est quelqu'un pour qui la belle forme du langage est importante. C'est quelqu'un pour qui le langage a aussi une fonction esthétique, probablement, qui peut permettre l'élévation au point du transcendantal. Donc, c'est certainement pas une condamnation complète du langage, et donc c'est pas un scepticisme, mais c'est une position qui invite toujours à se méfier du langage. Ça, je pense qu'on peut le dire. Et à se méfier du langage dans la mesure où le langage ne serait plus quelque chose de performatif, mais dans la mesure où le langage ne resterait que comme l'être morte. Et c'est probablement la raison pour laquelle il ne voulait pas que les étudiants puissent prendre des notes de ces cours, quelque chose que sera aussi par exemple pour Schelling, très important. Donc l'idée que la pensée doit être cueillie au moment de sa production et dans sa création complète. Exactement. c'est le drame de cet éditeur. C'est la contradiction de l'éditeur. Professeur Richard Gagnos. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre précise conférence. Je suis parfaitement d'accord. Je vais faire seulement un petit commentaire. Je me demande si la question c'est le langage ou surtout le langage philosophique. Parce que le langage, il est un moyen très adéquat pour le monde de la vie. Et pour la raison de que le monde de la vie est soutenu par l'intuition sensible, et le langage pour dessiner et connaître ces réalités partiellement inertielles est un moyen perfectement adéquat. Mais pour la réalité fondamentale de la philosophie, que c'est l'intuition intellectuelle, naturellement le langage est limité. Et vous avez montré parfaitement la nécessité de la incomplétude du système et de la complétude du système. Non? Mais je crois que ce qui concerne la constitution spécifique du langage philosophique. Et en raison qu'on se questionne, il y a un second point, à mon avis, très important. Les limitations du langage, naturellement, il est relationné avec la question de la rhétorique du dernier jour, de la question que m'a posée très amablement le professeur Solnit. La question est que le langage philosophique incorpore une dimension rhétorique inexcusable. Mais je ne suis très sûr si la définition fondamentale de ces dimensions rhétoriques est la question de l'ironie. La question de? De l'ironie. Ah, de l'ironie. En ficté, me semble pas sans humeur en ironique. Parce que je crois que la question fondamentale du langage philosophique, il est très relationné avec la question de la Aufforderung. Mais l'ironie est une communication qui tend à inhiber la réaction de l'autre. L'ironie est une forme de communication qui porte comme conséquence la limitation de la réaction, le paralysme de l'action. Et je crois que le langage philosophique doit promouvoir l'aufforderung, l'exhortation. Et l'exhortation n'est pas ironique, jamais, je crois.
avec le permis de le plus bon modérateur du monde. La question de la fiche de réception, un commentaire très simple. Naturellement, l'Espagne est l'ultime de la province de l'Amérique, non? Et je crois que dans la réception de FISTE en Amérique latine, nous devons inclure une réception très importante dans ces relations, qui est la réception d'Ortega et Gasset. Ortega a dit que le langage philosophique est occasionnel. Et est occasionnel fondamentalement parce que son, sa relation avec la vie est circonstancielle. Et ces relations entre le langage et la vie, a dit Ortega y Gasset, est inspirée fondamentalement en Fichte. C'est une conclusion d'Ortega y Gasset que sa théorie de la vie est fondamentalement d'inspiration Fichte, qui est l'unique philosophe de l'Europe qui a fait approximativement un système de la vie fondamental. Merci beaucoup pour la question, là ou les questions. Le premier point concernant le rapport entre langage et langage ordinaire et langage philosophique, je pense que je serais tout à fait d'accord. Donc, l'aspect sur lequel j'ai envisagé la question du langage, c'était par rapport précisément à l'actologie. Or, pour la philosophie, il est essentiel, selon la conception fichtéenne, qu'on s'élève précisément d'un point de vue qui serait le point de vue de la conscience ordinaire, ou dans lequel le langage ordinaire est parfaitement efficace, à ce que j'ai appelé une actologie, c'est-à-dire le langage comme indicateur d'une opération de l'esprit. Et ce que j'ai dit doit être limité au langage philosophique. Donc, je suis entièrement d'accord avec le premier point. Ensuite, c'était tellement riche que j'ai de la peine, peut-être, à répondre à tous les aspects. Il y a en tout cas quelque chose que j'aimerais dire concernant le concept d'ironie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le concept d'ironie qu'on prête aux romantiques, c'est un concept qui vient de Fichte. Et Schlegel, quand il développe sa théorie, il s'inspire directement de textes de Fichte. On a, dans un article très ancien maintenant, essayé de retrouver toutes les sources de Schlegel, et c'est absolument clair. Ça signifie que c'est la tentative d'un jeune écrivain convaincu, à tort ou à raison, que la philosophie aurait été achevée par Fichte, qu'il faut que la mission des romantiques est d'élargir les limites trop étroites de la doctrine de la science en exportant le modèle de la doctrine de la science sur les autres domaines de la vie, en particulier sur le domaine de la littérature. Et l'ironie est conçue par Schlegel comme la transposition de la théorie des deux points de vue, du point de vue de la conscience commune et de la position transcendantale, du point de vue philosophique. Donc, d'un point de vue purement par rapport à la théorie des idées, je dirais que le concept d'ironie, il vient directement, peut être associé directement à la position fichtienne. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'ironie quand Fichte demande à son interlocuteur d'effectuer un postulat? Je ne le vois pas. Effectivement, je vous donnerai raison sur ce point. Simplement, quand il fait cette demande, il exige un acte en quelque sorte.
Et je pense que la dimension ironique sera mise en œuvre à partir du moment où il essaye de dissocier ce qu'il est capable de produire dans le langage ordinaire et l'acte auquel il faut parvenir. Donc la sollicitation, elle n'est pas simplement une lettre, elle est une incitation à produire un acte. Et je pense qu'on pourra retrouver quand même cette dimension ironique, y compris dans la sollicitation. Donc, ça serait la façon dont je tendrais à répondre à votre question. Et le dernier point, je dois avouer que je le trouve extrêmement intéressant, mais malheureusement, ça excède totalement mes connaissances. Je dois confesser que je connais le nom de Ortega y Gasset, mais je ne connais pas sa position. Donc, je prends ça comme... Ortega y Gasset, ça. Donc, je prends ça comme un complément extrêmement intéressant. Merci. Cinco minutos más, o tenemos que cortar ya. Tengo dos o tres preguntas. Una pregunta más, puede ser. Y en el almuerzo. Bueno, seguimos en el almuerzo. Una más, Marco. Bueno, yo soy très breve. En tout cas, merci beaucoup. Breve, simplemente a los dos, que tenía dos casi simultáneas. Marco, siempre me pasa con vos. Perdón, no pasa nada. Je voulais juste demander si je prends ça comme point. Dans le discours de langage et exposition scientifique, dans ton discours, il y a aussi une réflexion sur la notion de sinnbildlich, de métaphorique, à partir par exemple du discours à la nation allemande, donc la distinction entre langue vive et langue morte, et. En partant du présupposé où la langue morte définit la langue des sciences, hein, codifiée, ça concerne aussi la philosophie, et des langages ordinaires, la langue allemande, de sa capacité enfin, d'avoir un contact sensible direct, permet de vivifier en quelque sorte la communication scientifique. Très intéressant. Je te remercie Marco pour cette question. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je dois avouer que le texte, enfin, les discours de la nation allemande sont un texte que je déteste. Et que j'ai toujours essayé d'éviter autant que possible à cause d'une dimension idéologique extrêmement forte, précisément par l'utilisation d'un langage qui n'est pas celui de Fichte, alors que le but des discours d'histoire allemande, c'est de faire une variante, une prophétie politique de plus pour conduire les gens à la doctrine de la science. Et il y a une phrase clé, à mon avis, pour l'interprétation de ce texte, dans laquelle je ne l'ai malheureusement pas en tête, mais Fichte dit que il n'y a pas besoin d'être allemand et de vivre en Allemagne pour être un allemand. Et inversement, il y a beaucoup de gens qui sont en Allemagne et qui parlent l'allemand et qui sont en fait des étrangers. En fait, ces thèses ramenées à des concepts philosophiques, parler allemand, ce serait la vie, l'allemand, c'est le symbole de la vie, le non-allemand, le symbole de la mort, et non-allemand est celui qui croit en la régression, etc., Schelling, et celui qui est vivant, et celui qui croit en la doctrine de la science. Donc, je dois avouer que le texte est extrêmement complexe à analyser du point de vue des thèses sur le langage, parce que finalement on voit que on utilise par moment des thèses sur le langage, par moment des thèses nationalistes, et qu'en fait le sujet des discours à la nation allemande
est tout autre. Il s'agit de savoir si on va devenir adepte ou non de la doctrine de la science. Donc il y a une sorte de dimension idéologique, justement par la récupération de langage totalement étranger aux propos, qui me gêne personnellement fortement et qui rend la lecture de ce texte extrêmement complexe, qui fait qu'on a très souvent utilisé à des fins complètement étrangères à l'Église. C'est pas vraiment une réponse. Et je pense que le modèle que tu exposes mériterait d'être examiné de façon plus approfondie, ce que tu n'as pas fait. Ya sobre los límites de lo permitido, una más que teníamos allí, una bien cuestión. Oui, merci pour ce bel exposé. J'ai juste une petite réserve que je vais essayer d'exprimer. Je me demande si tu n'as pas fait de fiche d'inconscient un peu trop orthodoxe en insistant sur la finitude et en reléguant un peu le premier principe ou le principe vrai du côté des idées de la raison. C'est vrai que le premier principe est une finalité, c'est vrai que c'est une idée de la raison. La raison chez Fichte, à la différence de Kant, fournit un critère pour trouver la vérité ou une méthode pour parvenir à des énoncés vrais. Et ce critère chez Fichte, il le répète à peu près partout, je ne vais pas citer tous les textes, c'est la concordance ou la congruence entre le tun et le sagen, entre le dire et le faire. Et c'est à partir de cette exigence, faire en sorte que le contenu de l'énoncé ne soit pas invalidé par le statut de l'énonciation, par l'acte de l'énonciation, c'est à partir de cette exigence qu'il va produire un ensemble, ou ce que j'appellerais un système, de propositions valides. Alors, à partir de là, il me semble qu'il y a deux conséquences. La première, c'est que ce n'est pas un système inachevé. Et la deuxième, sur le langage, c'est que quelqu'un qui fait du premier principe, du principe qui va délivrer le critère de la vérité, qui fait de ce premier principe la concordance entre le tun et le sagen, ne peut pas dévaloriser le langage. Et c'est pour ça que je me demandais si ton analyse, qui à mon sens peut être vraie sur l'ironie et la dévalorisation du langage, et je pense que c'est vrai, mais cette analyse ne vaudrait en fait que pour les discours populaires, au moment où il est question de l'articulation entre conscience ordinaire et conscience philosophique, mais pas justement pour le système achevé, c'est-à-dire pour les doctrines de la science. Voilà, c'est ma proposition. Merci. Si je dois répondre, c'est pratiquement remettre en question toute l'interprétation du principe. Donc, je ne sais pas si ça a un sens que je m'y lance. Pour le dire clairement, à mon avis, la pensée de Fichte est une pensée incroyablement dialectique. Et je pense que, d'abord, la Grundlage et la Gesamtwissenschaft, je dirais, ce n'est pas uniquement les principes au début, c'est l'ensemble. Et je pense que le sens des Grundsätze, il y a des phrases explicites de Fichte, ce que j'ai dit, que c'était une idée de la raison, ça apparaît expressément dans le texte même. Oui, mais je nie pas l'idée de la raison, je dis simplement par rapport à Kant, ça fournit un critère pour découvrir la vérité. Alors que Kant, ça reste une finalité qu'on fait et qu'on n'atteindra jamais. Donc Kant tombe plutôt sous le coup de la critique de Hegel, alors que Fichte, par rapport à Kant, les idées de la raison fournissent une méthode ou un critère pour trouver des propositions. Et ce critère, c'est le tun et le sagen, l'articulation du tun et du sagen. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une idée de la raison, mais pas consciente. Je crois qu'on a parlé de temps pour trouver cette discussion si importante. C'est extrêmement important parce que le restaurant n'est pas pour tout le monde.
Merci.